Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Une émission cette semaine sur le thème du bien-être et de la santé au naturel. Comment facilement prendre soin de soi, de sa santé tant physiologique que psychologique à l'aide de produits naturels, non chimiques ou à l'aide d'activités physiques bienfaitrices, non traumatisantes. On va voir tout cela avec vous, François Orchoal, bonjour. Bonjour. Vous êtes le propriétaire gérant des Nids des Vosges. C'est un des premiers sites de cabanes dans les arbres, évidemment, sur notre département. Et c'est à Chambray. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Ça fait longtemps qu'on ne vous avait pas vu dans notre studio. Alban Lessard, bonjour. Sylvothérapeute et surtout, plus globalement, accompagnatrice en montagne sur l'ensemble de notre département. Merci. Roger Small, bonjour. Bonjour. Expert en pas mal de choses, dont le dépassement de soi. On va expliciter évidemment tout au long de cette émission ce que ça cache, je répète, tant sur le côté psychologique que physiologique. Et enfin, Jaël Renard, bonjour. Bonjour. Vous êtes naturopathe à Matincourt, à proximité de Mirecourt, bien évidemment, et vous proposez notamment des stages de jeûne. On va voir tout cela dans quelques instants. François Orchoal, si vous voulez bien, déjà avec vous, bien-être et santé, le pas de côté nature, le pas de côté naturel, l'aspect nature que peut apporter tout cela, évidemment, sur notre organisme. Vous gérez les cabanes depuis une petite dizaine d'années, depuis 2011, me semble-t-il. Vous sentez une évolution dans les attentes de vos clients, du public qui vient dormir dans les cabanes? Tout à fait. Voilà, l'attente majeure des gens qui viennent dans les Vosges ou qui viennent séjourner dans une cabane, encore mieux au Nid des Vosges ou à Chambray, où on se situe, c'est d'abord de faire un bain de nature, de se plonger dans la nature, dans la forêt. Et c'est quand même la caractéristique première de notre département, c'est de pouvoir aller passer une nuit ou plusieurs en pleine nature, une immersion totale en pleine nature. Et ça, c'est un besoin et un plaisir que les gens ont en venant chez nous. Alors évidemment, il y a toujours le côté insolite. Aujourd'hui, il y a tellement de logements insolites divers et variés, j'ai envie de dire, on tombe un petit peu dans des choses habituelles, conventionnelles, malgré qu'on reste parfois dans l'insolite. Est-ce à dire qu'une cabane dans un arbre, on va chercher autre chose? Oui, pour ceux qui reviennent, j'entends, pour les clients qui reviennent. Disons qu'au départ de notre activité, on a pensé que c'était une mode, tout simplement, d'aller passer une nuit insolite dans une cabane perchée. Finalement, aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est plus une tendance, c'est-à-dire quelque chose que les gens vont apprécier, ont envie de faire, mais aussi ont envie d'en profiter pour aller mieux dans leur famille, dans leur couple, aller mieux pour eux-mêmes, de retrouver une sérénité, mais à condition que cette cabane dans les arbres, elle se situe vraiment en pleine nature, dans un environnement exceptionnel de calme, de beauté, de nature, qui fait que ça va marcher. Oui, disons les choses clairement, il ne suffit pas juste d'un arbre pour mettre une cabane dedans, l'environnement pour participer est très, très à la important. Magie de la cabane dans les arbres. Voilà, l'environnement est très très important. Nous, on a la chance à Chambray d'avoir cet environnement nature, calme, exceptionnel. Donc voilà, les gens seront de plus en plus à la recherche et au besoin de se couper du monde, de se réfugier dans une cabane et surtout dans un arbre avec autour d'eux la sérénité totale. Allez, et puis évidemment, vous êtes là aussi pour parler de sylvothérapie, puisque vous avez pas mal de projets à ce sujet. On va en parler dans quelques instants. Roger Small, juste une petite analyse. Voilà, vous avez monté votre société, je ne l'ai pas dit en introduction, France Tactical Gear à La Bresse, qui a 2-3 ans, une société assez récente. 2018. 2018, pardon, donc juste il y a 2 ans. Qu'est-ce que vous ressentez déjà comme envie de la part du grand public de se reconnecter à la nature ou peut-être d'utiliser un terme un peu vilain, de consommer la nature et les ressources naturelles différemment? C'est quoi l'état d'esprit? Je pense qu'effectivement, il y a un besoin de reconnexion claire du public, des familles et enfin, de toutes les personnes qui ont un environnement stressant à la base. Dans leur travail de tous les jours, dans leur vie de tous les jours. Et effectivement, les gens, ils ont besoin de se retrouver. Vous proposez des stages de survivalisme pur et dur, des stages différents, oui, d'entraînement. Alors, on ne va pas parler de paramilitaire, on n'est pas là-dessus, mais
Je veux dire, dans l'image du grand public, ça peut être ça. Et puis, vous proposez tout simplement des stages de reconnexion. De reconnexion familiale, oui, effectivement. Quand les parents, ils sont... Le lien est cassé entre les parents et les enfants. Mm-hmm. Quand, enfin, ce genre de choses. Et, ou même de 5 à 10 ans, avec, d'ordre de façon ludique, pour apprendre aux jeunes enfants à trouver ce qu'il y a dans la nature, enfin à découvrir la nature, ni plus ni moins. Ça passe par quoi ? Ça passe par des sorties nature, des activités nature, activités de survivalisme, comme j'ai dit, même si ce n'est pas le cœur du sujet. C'est pas forcément des activités survivalisme, c'est plus que commencer à comprendre que la nature peut nous apporter des choses et qu'avec la nature, on peut tout faire, en fait. La nature nous donnera tout ce qu'on veut si on est dans un bon état d'esprit et si on sait trouver les choses correctement et si on sait où aller les chercher correctement. Alors c'est quoi cet état d'esprit justement à avoir ou à essayer d'atteindre ? Ah, il faut écouter, il faut regarder, il faut sentir, il faut... Le respect. Respecter. Je pense effectivement... Mais il faut apprendre à la connaître aussi. Je pense que c'est ça aussi. Si on n'a pas le décodeur, on ne va pas... C'est ça. Et du coup, c'est donner clairement les petits trucs pour comprendre. Voilà, c'est ça. Parce que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose qui est cassé entre nous et ce qui nous entoure. Clairement, ouais. Ouais. Ouais, clairement. Albanessa. Oui, c'est, pour moi, c'est une évidence. De par mon métier, de ma reconversion, moi, je voulais vraiment, entre guillemets, me réimmerger dans la nature, me réimmerger au temps en général et essayer d'inciter à nouveau les gens aussi, pareil, à retourner, entre autres, dans la forêt, parce que dans les Vosges, ce serait vraiment dommage de ne pas en profiter, que ce soit autour d'Épinal ou que ce soit sur les Hauts. Et cette forêt qui, des fois, fait peur, j'ai du mal à comprendre parce qu'elle est bien fétrice, cette forêt. Donc, il faut vraiment, voilà. Alors, prenez un guide pour être rassuré, mais au moins, vous faites un petit tour pour pas vous perdre. Mais c'est le plus important, c'est vraiment de redécouvrir cette nature qui, voilà, on est dépendant de cette nature, on en vient et il faut la respecter à tout prix, quoi. C'est hyper important avec tout ce qu'on voit en ce moment au niveau de l'actualité. C'est primordial qu'il faut qu'on comprenne que, voilà, il faut la respecter. Donc, à mon avis, ça passe aussi par la compréhension. Mmh. Une fois qu'on aura pris conscience que, voilà, on en vient et qu'il faut la sauvegarder pour nous préserver, sinon à mon avis voilà, je veux pas être alarmiste, mais c'est vrai que c'est un peu triste quand même ce côté toujours consumérisme qu'on a par rapport à la nature. Donc il faut vraiment pour moi c'est un décodeur, quoi. C'est ça. Les gens ont souvent cette image de ouais, se balader en forêt c'est monotone. Je suis pas d'accord, il y a 1000 choses à voir. Il faut avoir à nouveau ce regard. Alors, en forêt, comme dans tout autre espace naturel, ça marche aussi, voilà. Bon, peut-être pas dans les champs de blé tirés au cordeau, on est d'accord. Mais... On revient à ce qu'on disait juste avant. Les gens qui disent ça, pour moi, c'est les gens, justement, qui n'ont pas eu ce décodeur, qui n'ont pas eu ces choses, qui n'ont pas eu cet apprentissage au départ. Pour trouver justement ce qu'il faut. Oui, c'est une approche. Moi, je m'appuie sur la marche. C'est une activité d'endurance. J'allais y venir comme l'activité entre guillemets physique de base. Tout à fait. La marche. Tout à fait. Tout comme c'est pareil, je pars sur du sport santé maintenant. Je suis en train de finir une formation pour pouvoir proposer aussi tout ce qui est sport sur ordonnance. Il faut inciter à nouveau les gens aussi à se rebouger, entre guillemets. Ça, c'est une première chose. Et si en plus on a la chance de pouvoir bénéficier de milieux naturels, il ne faut pas s'en priver. Donc à partir de là, voilà, c'est une prise en main. Il faut essayer d'être à nouveau autonome, il faut essayer à nouveau de réinvestir les choses et pas simplement consommer. Voilà, c'est un échange qui doit se mettre en place. Gérald Renard, par rapport à cet environnement naturel qui nous entoure, qu'on regarde parfois mal, qu'on a peut-être désappris à décoder et à en tirer. Les diverses substantifiques moelles pour notre bien-être. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? C'est ça, pareil. Pendant les stages de jeûne, on va aussi se reconnecter à la nature. Hein. Effectivement, ça fait partie de notre source. Mmh. Et puis aussi, dans les balades qu'on fait, on n'est plus dans de la randonnée, on est dans des balades. On va aussi redécouvrir toute notre histoire. Aussi, on oublie ça. Il y a aussi l'aspect culturel. D'accord. Et voilà, et redécouvrir nos forêts vosgiennes et puis... la pleine histoire qui est là. C'est important. Vous êtes installé depuis quelques années sur Matincourt. Vous,
Ça prend de l'ampleur, cette demande, donc quelque part ce besoin. Oui, c'est vraiment un besoin. Alors effectivement, on parle de stage de jeûne et on pense qu'on... On va y venir en détail. Hein. Voilà, qu'on ne fait rien, mais on va justement redécouvrir toute notre propre nature aussi également. Tout ce qu'on a à l'intérieur de nous, que ce soit nos récepteurs, que ce soit la satiété, la faim, on va redécouvrir plein de choses. Et aussi à respirer dans la nature, à marcher. À dérouler le pied, enfin, effectivement, qu'est-ce qu'on ressent quand on marche, qu'est-ce qu'on ressent aussi au niveau odorat. Ah, voilà, on va redécouvrir plein de choses. Effectivement. Alors, pardonnez-moi, mais je vais enfoncer une porte ouverte, mais ça paraît des choses toutes simples. Pourquoi on les a oubliées, ces choses simples? Pourquoi on a oublié ces émotions, ces perceptions? On est dans une société beaucoup trop active, beaucoup trop intellectuelle, je pense, trop connectée. Donc, on a oublié l'essentiel. Il faut abaisser le centre de gravité émotionnel et le mettre plus dans le corps. Enfin, même les émotions, on pense qu'on n'a pas le droit de les exprimer ou que, enfin, voilà, si on est en colère, c'est pas bien. Si on est triste, c'est qu'on est faible, enfin, etc. Mais ça fait partie de nous. Donc, on réapprend tout ça et à les exprimer aussi. Ok. Allez, on va rester avec vous si vous voulez bien, puis on va redétailler ce jeûne, justement, ces stages de jeûne. Voilà, je savais que j'allais avoir du mal à dire le mot. Vous nous avez donné quelques infos toutes rapides. En quoi ça consiste exactement, concrètement? Qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que ça apporte, le jeûne? Déjà, pourquoi jeûner? Alors, tout à fait au niveau santé, le jeûne, c'est vraiment pour mettre le tube digestif au repos. Dans un premier temps. Et quand on sait que 80% de notre énergie corporelle est dans le tube digestif, eh bien, quand on le met au repos, toute cette énergie part ailleurs dans le corps. Et les gens sont fascinés quand ils partent en balade de me dire, mais on ne mange pas, on marche tous les jours et on est plein d'énergie. D'accord. Donc, déjà, c'est cette première chose-là. Il faut savoir qu'en 3 jours de jeûne, c'est un système immunitaire remis à neuf. Et en 7 jours de jeûne, c'est 6 mois à 1 an de détoxination. Trois jours, ça paraît très très court. Quand on parle de système immunitaire, on parle énorme. De défense naturelle, on parle de tout ce qui est attaques bactériologiques, virus, etc., qui pourraient venir de l'extérieur. En 3 jours, tout cela est reboosté. Les bactéries ont plus de place aussi pour se développer, etc. Oui, effectivement, ça rebooste, ça régénère les cellules. Enfin, l'hormone de croissance qui normalement diminue avec l'âge, elle se réactive en jeûne. Donc, on a le droit de boire quand même. On boit, effectivement. D'accord. Ça dépend ce qu'on boit. Voilà. Oui. effectivement. Je l'attendais. Alors, le matin, je donne des jus de légumes lactofermentés, justement, pour préserver ces bactéries. D'accord. Ensuite, il y a toutes sortes de plantes, de tisanes pour faire travailler les organes émonctoires ou excréteurs. Exemple, quelle tisane avec quel objectif précis? Exemple, le romarin va faire travailler le foie ou l'artichaut ou pour la bourdaine, pour travailler les intestins, par exemple. Ça peut être plein de... Alors, quand vous dites travailler, et tout à l'heure, vous venez de nous dire que l'idée, c'est de mettre au repos tout cela, enfin, foie, intestin. Parce que eux, par contre, quand ils sont au repos, ils vont devoir drainer toutes les toxines du corps. D'accord. Ce qui se passe, on dit que quand on est en jeûne, le corps passe en autolyse, c'est-à-dire qu'il va se manger de l'intérieur. Comme il n'a plus de nourriture extérieure, il va aller manger tout ce qu'il n'a pas le temps de faire en temps normal. D'accord. Les toxines, les déchets, ça peut être le pus, les kystes, les excroissances, les verrues. Enfin, il va se nourrir de l'intérieur. Donc tout ça, il faut aussi que ce soit vidangé et que ça puisse aussi ressortir du corps. Il faut l'idéal. Est-ce qu'il y a un idéal de méthode de jeûne? C'est une fois tous les, je sais pas combien, une fois par mois, une fois par an, sur une semaine, sur un jour. Est-ce qu'il y a un idéal scientifiquement reconnu, j'entends? Alors, l'idéal, on va dire que c'est de faire au moins une semaine de jeûne par an, voire deux, mais en général, c'est au printemps ou à l'automne. Une semaine entière. Voilà. Bon. Et après, c'est de l'entretien. On peut faire un jour par semaine, on peut faire 2-3 jours dans le mois, on peut faire de la monodiète. Enfin, il y a plein de façons de faire aussi pour entretenir le système digestif. Alors,
quand on parle de jeûne, on pense tout de suite évidemment au mois du Ramadan. Là, on n'est pas sur une période si longue, donc selon vous, et puis avec évidemment des possibilités, surtout d'hydratation, et puis il y a pas une question d'horaire, jour-nuit, etc. C'est concrètement sur une journée type d'un stage de jeûne, vous faites quoi ? Outre l'alimentation, enfin le. Concrètement, ça passe par. Qu'est-ce qu'on fait le matin ou qu'est-ce qu'on ne fait pas, etc. Alors, tous les matins, je prends les personnes en suivi personnalisé. Donc, ils me disent comment ils se sentent et puis on palie en fonction de leur état avec de l'homéopathie, avec des huiles essentielles, enfin, etc. Ensuite, je fais un petit cours d'éveil matinal avec des étirements. Pareil, on réapprend à respirer, à ressentir ses muscles. D'accord. Puis on est un petit peu plus raide aussi. Donc, avant de partir en randonnée, ça échauffe. Ensuite, on fait nos petites randonnées, nos petites balades dans la région. Et pareil, on va redécouvrir plein de choses. En après-midi, souvent, il y a sieste. Il y a accès à un sauna aussi au gîte. Il y a tous les massages et soins. Mmh. En fin d'après-midi, il y a différents intervenants qui viennent. Ça peut être du yoga, de la relaxation, du mouvement articulaire. Enfin, voilà. D'accord. Et le soir, on se retrouve autour d'un bouillon, donc là, pour préserver les vitamines et les oligo-éléments. Et là, il y a des soirées à thème, où on réapprend à manger, on réapprend à avoir une bonne hygiène de vie. Il peut y avoir des films... C'est horrible ce que vous faites là. Une soirée à thème, on réapprend à manger alors qu'on est en période de jeûne. Eh bien justement, on n'a jamais parlé autant... C'est du sadisme. On n'a jamais parlé autant de nourriture qu'en jeûne. Hein. Ah. Vous verrez, tout le monde fait ça, on s'échange des recettes, c'est exceptionnel. Et ça ne crée pas justement l'envie. C'est ce qu'ils me disent. Ils me disent, on parle de nourriture et on n'a pas faim. Ah. Et c'est là qu'ils découvrent qu'on mange plus par envie que par besoin. Et puis, bien sûr, il y a d'autres soins aussi pendant cette semaine. Mais l'irrigation du côlon, justement, permet bien de nettoyer l'intestin. Et quand le tube digestif est vide, on a moins envie de manger aussi. Ça appelle moins la nourriture. D'accord. Mais il faut passer un petit cap et après, ils sont étonnamment surpris. Que dit la communauté scientifique à ce sujet ? Alors, il y a pas mal d'études qui sont faites, mais qui ne sont encore pas forcément mises au grand jour. Mm-hmm. Mais il y a un médecin canadien, justement, qui a écrit un livre qui est exceptionnel sur le jeûne, avec plein de tests en laboratoire, des analyses de sang, etc. Et le corps est exceptionnel. Il y a énormément de résultats pour le diabète, par exemple, de type 2, bien sûr. Sur l'obésité, sur les maladies cardiovasculaires, sur le cholestérol, sur les maladies auto-immunes. Enfin voilà, il y a vraiment de grandes avancées là-dessus. D'accord. Roger Small, ça vous tente un petit stage de jeûne ? Vous l'avez déjà fait peut-être ? Non, absolument non, pas. État d'esprit, de dépassement de soi, pourquoi pas ? Ça peut c'est être un autre dépassement de soi, mais... Ça peut être une forme d'épreuve. Oui, voilà, c'est ça. C'est le défi, effectivement, dans ce sens-là. Mais ouais, à essayer, pourquoi pas ? Puis c'est vrai qu'on est dans une société où on consomme. Donc, ne pas manger, ne pas consommer, c'est un défi aussi. Est-ce qu'il y a quelques vigilances quand même à avoir ? Donc, on l'a compris, évidemment, il ne s'agit pas de ne pas s'hydrater. On s'hydrate tout le temps ? À volonté. À volonté. Le matin, qu'est-ce que vous proposez ? J'ai mangé... C'est des jus de légumes lacto-fermentés. Voilà. Je leur donne aussi des jus de citron avec du gingembre, enfin plein de choses. Ok, et le soir, bouillon de légumes, j'imagine ? Bouillon de légumes, voilà. Okay. Et après, je palie en fonction de leur état. Ça se peut que par moment, on a une petite baisse de fatigue, Et je peux aussi donner un petit peu de miel ou des jus de fruits locaux dilués dans de l'eau. Et puis le soir, des fois aussi un potage à la place de la soupe. D'accord. Donc, à la place du bouillon. A priori, sans aller dans un cadre organisé comme vous le proposez, c'est facile de faire ça à la maison. Oui, c'est possible. Mais là, c'est... Je savais où vous alliez en venir. Quelle vigilance à avoir et peut-être quel danger à éviter ? Alors, il y a toute une préparation physique aussi à faire une semaine avant.
C'est sûr qu'on ne se lance pas dans un jeûne de 7 jours en ayant fait une choucroute la veille. Où, d'accord. Voilà, le corps ne supporterait pas pareil. Donc petit on à fait, petit. Voilà, un palier, des paliers à descendre. On enlève les protéines, ensuite les légumineuses, ensuite les céréales, etc. Et le corps s'habitue. Ok, ça, pendant une semaine, si on veut se lancer dans le défi d'un jeûne d'une semaine, il faut s'y prendre une semaine avant. Pour qu'il soit réussi, oui. Ok. Personne n'est mort de faim. Non, non, non. C'est quand même important à préciser. Oui. Et pendant la période de jeûne, quelle vigilance, quel état d'esprit à avoir pour que ça réussisse? On à part la motivation. On est tellement dans... je veux qu'ils retrouvent leur âme d'enfant. Enfin, on est dans le jeu, on est dans l'amusement, on est dans... Ils se retrouvent eux aussi à l'intérieur d'eux. Ils découvrent leur potentiel. Et franchement, la nourriture, c'est plus un problème. D'accord. Et ils sont déjà dans une démarche, hein, les gens qui viennent faire du jeûne, voilà, de santé. Et ils sont tellement occupés. Il y a une bibliothèque de développement personnel. On a un hectare de terrain. Okay. Voilà, ils ont de quoi faire. Et... Sans aller tout de suite sur l'ambition, l'objectif d'une semaine, ça peut être bienfaiteur de faire ça un ou deux jours à intervalles réguliers. Qu'est-ce que vous conseilleriez? Alors il y a déjà le jeûne intermittent, hein, tout le monde en entend parler, ou le fasting aujourd'hui. Ce serait ne serait-ce que de ne pas manger deux repas, deux soirs par exemple dans la semaine. D'accord. Ça met déjà le tube digestif au repos. Okay. Ça peut être juste faire une journée de monodiète par semaine. Ça aussi c'est plus simple pour les gens qui travaillent. C'est-à-dire? Alors la monodiète c'est de manger qu'un seul aliment. Donc, du coup, le corps envoie qu'une seule enzyme et pas plusieurs pour digérer. Donc, c'est déjà plus simple. Qu'est-ce qui est conseillé? Alors, des fruits, des légumes? Voilà, peut-être une journée que de fruits, une journée que de soupe, une journée que de riz complet. D'accord. Une journée que de pommes de terre. Voilà. Alors, pas de Nutella ou autre chose comme ça, mais oui. Plutôt des choses saines. Mais voilà, ça met déjà le tube digestif au repos. Et ça entraîne les personnes. Ok. Bon, affaire à suivre, on y reviendra un petit peu. Alban Nessar, quelle vision vous avez, quelle analyse vous avez de cette ambition de se régénérer, pour le coup, de l'intérieur? Pour moi, c'est bien. Par contre, il faut que ce soit bien géré parce qu'il ne faut pas tomber dans un extrême. Je pense que ça me paraît logique que le tube digestif, entre guillemets, ne fonctionne pas tout le temps. À une époque, on n'avait pas le frigo qui était toujours rempli et donc il y avait des périodes de diète un peu obligatoires. On a un peu oublié ça, donc c'est vrai que du coup, on mange plus par envie parce qu'on est en plus très sollicité, très voilà. Et je pense que ça fait partie On mange de plus en plus sucré. Oui. Le sucre entre autres. Provoque plus fréquemment l'envie que le salé. Mais moi j'ai appris un terme il y a pas longtemps. Je suis flexitarienne. Est-ce que vous savez, hein? Bon, oui. Moi, oui, voilà, je ne suis pas. Alors j'entends des végétariens, des végétaliens, des intolérants gluten, bon. Il y a beaucoup de choses là-dedans qui sont un petit peu... On va dire que flexitarien, c'est juste faire un petit peu attention et... Voilà. Et moi, ça me va très bien. Un petit peu tout, mais de façon modérée. Et ça me va très bien comme état d'esprit, je dirais. Ouais. J'ai du mal à comprendre qu'on puisse comme ça dire, allez, je suis végétarien. Voilà. Ça ne me paraît pas logique. Enfin, moi, je suis un peu dans cette démarche où, voilà, on revient aux choses simples, aux choses... On a la chance aujourd'hui de ne pas se concentrer sur notre survie parce qu'on est dans un pays où tout va bien, entre guillemets, on mange à notre faim. Donc on peut se permettre des fois d'être un peu extrême. Mais je pense que ce n'est pas forcément... Voilà. Donc un jeûne, c'est bien parce que je pense que ça me paraît normal que de temps en temps, on puisse éventuellement arrêter de manger de temps en temps pour retrouver justement des choses qu'on a tellement en plus automatisées qu'on ne s'en rend même plus compte. On mange par habitude, on mange par envie, on mange pour se soulager éventuellement. Enfin voilà, c'est bien de se remettre un petit peu en question et puis changer un peu les choses. On est aussi de plus en plus dans l'air du temps d'essayer de bien manger, de mieux manger. Oui, oui. On a eu l'occasion d'en parler à nombreuses reprises sur cette antenne. Oui. Voilà. Par rapport à notre sujet du jour, il y a quand même une chose importante dans les Vosges. On a de plus en plus de cuisiniers, de bons cuisiniers qui vont nous faire des plats avec des produits de la nature. Mmh. Que ça passe par les champignons, les plantes, etc. Aujourd'hui, on redécouvre des plantes méconnues ou des plantes de la forêt. On met ça dans nos assiettes de manière d'ailleurs très, très agréable. Et il y a une petite réflexion aussi à se dire qu'est-ce qu'on mange, véritablement, qu'est-ce qu'on mange, les circuits courts, tout ouais, ça, c'est important. Court,
Donc voilà, on a bouclé la boucle quelque part. On revient sur ce besoin de nature, ce besoin d'aliments et d'éléments naturels dans notre assiette comme dans notre vie quotidienne. C'est vrai que quand on est dans une cabane, quand on est perché dans un arbre dans une magnifique cabane, il y a peut-être moyen juste de se contenter du paysage comme nourriture spirituelle. Oui, c'est une nourriture, c'est déjà une nourriture, c'est vrai, c'est l'expression, mais c'est vrai que ça permet déjà de se dire, bah tiens, où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on mange, comment on va, et puis de s'introspecter personnellement, à savoir, voilà, d'où je viens, où je vais. Roger Spaul, on reste sur la nourriture très rapidement, ça... Cet aspect, cette approche de la vie et puis de la santé, tant psychologique que physiologique, vous l'abordez dans vos stages? Ça dépend de la demande du client. D'accord. Aussi. Sur le dépassement de soi, on ne l'aborde pas. Sur différents stages, on peut commencer à l'aborder très, très, très près, mais enfin, vraiment, les grandes lignes. D'accord. On ne fait pas tout le temps du pousser, quoi. Mais, ouais, tout ce qui est avec... par exemple, tout ce qui est bourgeon de sapin, tout ce qui est avec des ours, tout ce qui est... Produits naturels, facilement... Voilà, tout ce qu'on peut trouver, effectivement, à portée de main, selon la saison à laquelle on est aussi, puisque ce n'est pas tout le temps, hein, forcément. Ouais. Voilà, effectivement, on peut en aborder. Ouais. OK. Allez, on marque une toute petite pause technique, si vous voulez bien. On se retrouve dans quelques instants. Retrouvez tous nos programmes sur internet viavauge.tv et partagez sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et sur notre appli Via Vauge. Allez, on reste sur le bien-être et la santé avec la nature, en collaboration avec la nature, avec les produits naturels. Pas mal de choses à aborder. On vient de parler simplement du jeûne, qui est une façon de se réapproprier son corps, donc sa propre nature, j'ai envie de dire. On va parler de sylvothérapie, si vous voulez bien, avec vous, Alban Lessard. La sylvothérapie, un vaste sujet, tant on en est seulement au balbutiement des connaissances en la matière. On a parlé tout à l'heure en introduction de la forêt, de la nature qui nous entoure. Forcément, la sylvothérapie, ça va un petit peu plus loin. Les ambitions, oui. Les objectifs Les objectifs sont, j'irais, presque du domaine de la santé, en fait. On s'est aperçu que se balader en forêt... C'est pour ça que vous êtes là, si je peux me permettre. Merci de m'avoir invité. Mais voilà, on s'est aperçu, alors ce sont les Japonais qui ont mis au point la technique. Ça fait déjà 40 ans, eux, que c'est prouvé, ils incitent les gens à aller se balader en forêt. Mais nous, on le savait peut-être aussi, moi, quand j'étais gamine, j'y allais tout le temps en forêt. Bon, au début, je rechignais un peu, mais en fin de compte, je m'aperçois que j'y étais bien. Et les gens savent, dans les Vosges, en plus, on a quand même le club vosgien qui fait aussi beaucoup d'animation au niveau de la marche. Mais donc, c'est un ensemble, c'est et la marche et le retour à la nature. Et comme on sait maintenant que les arbres nous apportent des bienfaits, on va en apprendre, je pense, encore plus de plus en plus, parce qu'on s'intéresse vraiment de plus en plus à ces arbres. Mais voilà, on va, entre guillemets, profiter de ces bienfaits dans les Vosges avec toutes les forêts qu'on peut avoir. Il faut pas hésiter, il faut y aller. Quel bienfait. Détaillez-nous tout cela. Déjà, on a ces images qui sont toujours un petit peu... Les câlins aux arbres. Des câlins aux arbres, oui. On a toujours ces images qui prêtent à sourire, parce que ce n'est pas des choses qu'on a l'habitude de voir. Oui. Mais voilà, forcément, ce n'est pas pour rien. Qu'est-ce que ça apporte? C'est quoi ces bienfaits? On va y venir. Comment ça fonctionne? Mais il y a des gens qui font de la sylvothérapie. Je ne suis pas seule à faire. Donc, il y a des accompagnateurs aussi comme moi qui sont labellisés, parce qu'en plus, il y a le conseil départemental qui nous soutient là-dessus. Donc ça, c'est super. Et, c'est une labellisation locale, institutionnelle. Oui, tout à fait. Ça n'a rien encore de scientifique. Si, puisque en fait, on a vraiment prouvé justement ces fameux bienfaits au niveau de la sylvothérapie. Donc, ils essayent de nous soutenir en ayant une démarche de labellisation. Donc, oui, on est formé pour pouvoir faire ce genre de randonnée, en fin de compte.
tout le monde, ne peut faire part. J'entends, mais pardonnez-moi, je me permets d'insister. Ce n'est pas encore remboursé par la Sécu parce que les bienfaits sont établis. Mais ce serait bien. Voilà. Ce serait bien. Je pense qu'on y viendra, j'espère. Il y a la Silvo, puis il y a plein d'autres domaines qui seraient bien de rembourser et de développer. On est d'accord. On ne va pas rentrer dans le débat. Ça viendra peut-être. Oui, ça viendra. Donc, du coup, c'est bien fait. Alors, le stress, essentiellement. Déjà, on peut mesurer le stress dans le corps. C'est une hormone qu'on appelle le cortisol, donc avec une prise de sang. Et donc, les gens qui se baladent en forêt, leur taux de stress diminue. Voilà. C'est flagrant. Donc, le stress diminue, la tension artérielle diminue. Notre fréquence cardiaque diminue et on peut même augmenter notre immunité naturelle. Voilà. Donc ça, c'est des tests qui ont été faits, des prises de sang, et donc du coup, voilà, ça s'est prouvé. Donc, après, les effets, on les a à partir de à peu près 2 heures de balade. Après, c'est un peu, je serais un peu provocatrice, c'est un peu comme quand on brosse les dents tous les jours. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va faire 2 heures de balade le dimanche que ça va vraiment être efficace. Ça va être efficace quelques jours, mais après, il faut recommencer. Il y a une piqûre de rappel. Donc, plus on va aller se balader, mieux ce sera. Et il vaut mieux peut-être faire ne serait-ce qu'une heure par jour, tous les 2-3 jours, plutôt que de faire une randonnée de 6 heures juste simplement le dimanche, quoi. Enfin, c'est dans la continuité, ce serait quand même mieux pour que ce soit plus régulier. Qu'est-ce qui se passe ? À ce moment-là, il se passe quoi concrètement ? C'est... Pendant la randonnée ? Oui. Et quand on fait un câlin à un arbre, tous les bienfaits que vous venez de nous citer, ok, ça c'est le résultat, mais il se passe quoi concrètement ? Alors, c'est dû à une énergie qui nous entoure ? C'est dû à des phéromones que les arbres distillent ? Oui. C'est les phytoncides. Les phytoncides. C'est les substances que les arbres sécrètent pour se défendre contre les champignons et les parasites. Et c'est un peu à l'image des huiles essentielles qui sont diffusées. Nous, on les respire, donc c'est important de bien respirer. Et c'est ça qui, donc, qui provoque ces bienfaits que je vous ai cités. Donc, moi, je le vois régulièrement. Je suis même à la fois presque des fois bluffée ou surprise parce que je vois des gens qui arrivent, qui sont stressés, qui me posent 1000 questions, qui sont inquiets parce qu'ils vont faire une balade, qui vont aller s'enfoncer dans la forêt. Je leur dis toujours, on va se perdre, mais pour mieux se retrouver. Et je vous assure, c'est incroyable, quoi, le changement d'attitude, le relâchement, l'apaisement qu'ils ont à la fin des 2 heures ou des 3 heures ou même pendant un stage, parce que voilà, on a possibilité de faire des stages. C'est vraiment, ça se voit. Il n'y a pas photo, ça se voit. Ça se voit sur leur visage, ça se voit qu'ils sont détendus. Mmh. Ils marchent de façon différente, ils sont plus apaisés, ils respirent mieux. Voilà, c'est incroyable comment c'est bluffant, parce que c'est tout simple. Il y a aussi, j'imagine, l'aspect protecteur d'un arbre de la forêt qui joue en faveur de ce bien-être, le phytoncide dont on va essayer de se souvenir. Je dirais que... C'est un cocktail, la sylvothérapie. Donc, il y a ces phytoncides. Les arbres, par leur photosynthèse, vont nous donner beaucoup plus d'oxygène. Donc, l'air en forêt, ça fait un climat différent. D'accord. L'humidité est différente. Il y a une évapotranspiration au niveau des feuilles. Il y a aussi une libération des ions négatifs. Les ions négatifs, on les trouve, par exemple, au pied des cascades, en bord de mer, en haute montagne. Et ces ions négatifs, ils nous apaisent. On a des ions positifs, par exemple, avant un orage. Les ions négatifs, on les a beaucoup plus en forêt. Donc, du coup, c'est pareil, ça nous apaise. D'accord. La couleur verte nous apaise, on sait bien. La couleur rouge est tonique, la couleur orange est tonique. La couleur verte, ça nous apaise. Les mousses et les lichens aussi sont apparemment, nous assainissent l'air. Ils captent certains solvants, des aérosols, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment tout ce melting pot qui fait que, voilà, il faut se balader parce qu'on s'appuie sur la marche. Donc, on ne va pas faire un petit tour de parking. On va vraiment bien et on va, du coup, découvrir aussi la forêt. Et les arbres ne sécrètent pas tous en quantité identique les phytoncides. Selon leurs espèces, selon leur âge, la quantité va être différente. Donc, autant aller se balader. C'est quoi les essences très intéressantes en la matière ? Les résineux sont quand même pas mal. Ouais. Après, le hêtre, c'est plus un petit peu en début de végétation. Et celui qui serait le plus producteur de phytoncides, c'est le cyprès. Sauf que le cyprès, dans notre région, on n'en a pas. Ça va venir. Avec le réchauffement climatique, ça va venir. Mais une forêt de cyprès... Il y a déjà des expérimentations. Voilà. Donc voilà. Mais tous vont sécréter donc, des phytoncides, mais avec des quantités différentes. Donc c'est quand même ce qu'on recherche. Et après, voilà, c'est aussi un ensemble de choses et les guider. Parce que c'est pas toujours évident de lâcher prise ou de se laisser aller ou de se laisser faire, entre guillemets. Donc moi, je vais les amener petit à petit aussi à faire une marche intelligente. Donc c'est une marche en conscience. Donc petit à petit, il faut se mettre en condition. Donc, c'est pour une marche en conscience, c'est quoi ? C'est tout simplement, je dirais,
un peu descendre dans ses pieds. Ouais. Et abaisser le centre de gravité. Voilà. Et être vraiment là à ce qu'on fait. C'est-à-dire que comment on marche, c'est le genre de choses, c'est comment on respire. On ne fait pas forcément attention. Alors qu'en fin de compte, même ne serait-ce qu'une démarche, la démarche de quelqu'un peut être révélateur de son état d'esprit. Voilà. Et on a aussi des images un petit peu, il faut marcher sur le talon, dérouler, machin. Non. On a tous une marche différentes, on a tous une marche. Ah, voilà. C'est bien. Là, vous contrecarrez ce qu'on peut entendre. Chacun son truc. Chacun sa marche. Voilà, chacun son truc. Voilà. C'est à partir du moment où il faut, entre guillemets, si on commence à avoir des traumatismes, c'est justement que c'est là qu'il faut se poser des questions et qu'il y a peut-être un déséquilibre. Donc, okay. Voilà. La forêt, nous les Vosgiens, on connaît. C'est vrai que quand on voit ces images-là, on se dit on connaît. Il y a quand même quelques citadins dans mais les Vosges. Si on connaît aussi le bien-être que nous amène la forêt. Beaucoup de Vosgiens se baladent en forêt le week-end. Ceux qui viennent chez nous, que ce soit des Vosgiens ou des touristes qui viennent passer une nuit dans une cabane, au départ, c'est quand même la forêt, le patrimoine commun qui va nous ramener un certain bien-être. Nous, on voit les gens repartir après une nuit ou deux dans une cabane, dans les arbres, complètement transformés. Et c'est pour ça qu'avec Alban, on a monté des stages de sylvothérapie, de bains de forêt, où on va dormir dans la cabane, on va s'immerger complètement dans la forêt la nuit dans sa cabane, la veille et le lendemain par un bain de forêt, par une sylvothérapie au milieu de la forêt environnante. Et moi, j'ai vu les gens se transformer complètement lors de ces mini-stages de sylvothérapie. Je l'ai fait moi-même la première fois qu'on l'a fait au printemps dernier. Et c'est vrai qu'on se prend vite au jeu. Et au départ, on rigole un peu, hein, on sourit. Quand on est Vosgien, on connaît la forêt, tout ça. On sait, oui, c'est les arbres. On croit connaître la forêt. Voilà. Mais finalement, avec une experte qui nous l'explique et qui nous la fait voir différemment, et avec tout ce qu'on apprend à cette occasion, on ressent la forêt complètement différemment. On ne connaît plus la forêt, on la ressent. C'est une chance de faire ce genre de stage, parce que je vous dis, deux heures, c'est déjà bien. Mais il vaut mieux. Mais si on a la possibilité d'être vraiment immergé, parce que là, au Nid des Vosges, on est immergé. On est vraiment dans le cœur de la forêt. Et pendant 24, 48 heures, c'est top, parce que là, vraiment, on accentue vraiment ses bienfaits. Alors, c'est vraiment... on parle de stage, on parle d'hébergement, etc. Je me permets quand même de rappeler que la forêt est accessible à tout le monde, jour et nuit, gratuitement aussi. Oh, ouais. Je pense que ça peut être intéressant. On a la chance dans les Vosges, c'est qu'elle est très publique ou domaniale, mais normalement, en général, sur l'échelle française, elle est beaucoup plus privée, la forêt. C'est vrai. Je rappelle, la moyenne nationale, c'est 2/3 privé, 1/3 public, et dans le département, sur notre département, c'est l'inverse. Ouais. C'est vraiment une chance, quelque part. 2/3 public et 1/3 privé. Donc, qui dit forêt publique dit effectivement accès gratuit à la forêt quand on veut, comme on veut, plus ou moins. Ça, après, on a la chance dans les Vosges que l'accès à la forêt, il est organisé aussi. C'est-à-dire que le club vosgien balise les randonnées, les accompagnateurs en montagne. Voilà, donc c'est génial. Moi, j'ai eu des gens récemment qui venaient des Alpes où ils m'ont dit l'accès à la forêt, c'est pas du tout la même chose. Parce qu'on est soit dans un parc régional ou national, il y a des zones complètement interdites. Après, vous avez les chemins pour les vététistes, vous avez les chemins pour les randonneurs. Des fois, ça cohabite mal. Après, vous avez les quads éventuellement ou les motoneiges l'hiver. Non, dans les Vosges, on n'a pas ça. On a une bonne gestion de la forêt, une bonne vie en commun de la forêt. Et on peut marcher, ces gens-là notamment, ils ont marché toute une journée sans croiser personne parce qu'ils ont choisi leur itinéraire. Et ça, pour eux, c'était magique. Le partage, Roger Small, le partage des diverses pratiques en espace naturel, c'est un thème qui vous tient à cœur, j'imagine ? Beaucoup, oui. Il y a pas mal de soucis, alors sans stigmatiser qui que ce soit, mais il y a pas mal de soucis entre les randonneurs plus. Comme nous, les gens comme nous, qui faisons des activités d'ordre pédestre, en fait, et les chasseurs le dimanche, par exemple, des fois, ça coince un peu. Il y a des informations, les choses sont là. En ce qui concerne la chasse, généralement, ils sont tip-top, les gars, ils sont carrés, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais des fois, c'est un peu compliqué quand même. Vous réagissiez tout à l'heure quand François a parlé du fait qu'on
connaît la forêt. On croit la connaître, effectivement. Les anciens la connaissent très bien, beaucoup mieux que nous, puisqu'ils étaient beaucoup plus immergés dedans. Que ce soit les bûcherons, les granitaires, tous ces personnages du massif qui font du massif qu'on l'aime aussi, puisqu'il y a une histoire sur le massif qui est super importante. Mais nous, on est derrière, je pense qu'on ne la connaîtra jamais autant qu'eux. Et quelque part, on est vraiment des élèves. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. On apprend tous les jours, vraiment, à discuter avec les anciens et tout ça. C'est fantastique, quoi. La sylvothérapie, vous n'en proposez pas encore. Ça peut venir. Ça peut être une approche intéressante dans le dépassement de soi, dans la connaissance de soi que vous souhaitez développer. Je pense que là, on est tous réunis autour de la table sur le principe effectivement du dépassement de soi, mais de différentes façons, en fait. Et ça, je trouve ça super intéressant que sur un massif comme les Vosges, on puisse proposer tout un éventail de choses de la sorte. Mmh. Et effectivement, la sylvothérapie, on est amené à se revoir. Ouais. Et puis c'est normal, on est tous différents, donc il faut justement qu'on trouve notre voie. Moi, j'aime les êtres vivants. Enfin, moi, les minéraux, j'ai essayé, mais j'ai du mal. Enfin, voilà, il faut qu'on trouve chacun sa voie. Et pour ça, c'est pareil, un retour sur soi, il faut un moment dire, allez, je me pose. Et puis maintenant, est-ce que je suis bien là où je suis? Est-ce que faut un moment, me mettre en mode pause. Et je vous dis, c'est l'avantage, c'est qu'on a vraiment la chance d'avoir un. On a une qualité de vie, il faut juste apprendre à un moment à arrêter et se poser pour se recentrer sur soi. Jaël Renard, je me permets d'insister sur cet aspect gratuit et accessible à tous. Dans le sens, il n'y a rien de plus simple, il n'y a rien de plus gratuit que d'aller se balader dans la nature, que d'aller se balader dans la forêt, que d'embrasser un arbre au sens littéral du terme, avec les bras. C'est des choses qui vous parlent, qui sont dans l'air du temps. Bien sûr, il y a du business. Vous faites tous du business parce que il faut vivre, il faut proposer des choses. Mais notre passion. On essaie de transmettre les choses avec notre passion. On est d'accord. Mais c'est cette notion-là, il y a des choses à faire, il y a des choses à aller chercher pour le grand public. Oui. Mais je pense aussi que certaines personnes, comme on dit, aiment aller en forêt, mais n'osent pas tout seul, ne la comprennent pas de la même façon. Mmh. Donc voilà, c'est aussi... Et n'en voit pas l'intérêt, c'est peut-être aussi l'objet de cette émission. Quand on visite un musée avec un guide, c'est complètement différent que si on y va tout seul. C'est pareil, toutes ces démarches-là, je pense qu'on a besoin d'être accompagné. Alors oui, on peut jeûner, on peut aller en forêt, on peut faire tout ça tout seul, mais ça sera peut-être moins enrichissant. D'accord. Peut-être être encadré pour apprendre. Pour apprendre, voilà. Et puis, je rejoins tout le monde. Hein. On est très complémentaires sur ce qu'on fait. Mm-hmm. Et puis, redécouvrir la marche en conscience, redécouvrir, sentir ce qui se passe en forêt, c'est important. Les gens ne sentent plus souvent que les pots d'échappement. C'est pour ça qu'on fait des câlins, en fait. On explore l'âme avec nos sens. C'est ça l'image. Ça. Après... qui est éventuellement un échange d'énergie et tout ça, c'est un sujet un peu compliqué. Y en a certains qui pensent à l'ésotérisme, mais c'est bon, voilà. Mais ceci dit, l'exploration d'un arbre, tout simplement, et ne serait-ce que toucher un arbre, je pense qu'il y a beaucoup de gens... Ils n'osent même plus, ne serait-ce que toucher... Moi, j'ai vu des fois des... Ils ont du mal à toucher un arbre. Il ne va pas vous manger. C'est incroyable, ils quoi. Osent pas. C'est incroyable. Alors, c'est vrai qu'en stage de jeûne, je commencerai à proposer aussi la sylvothérapie, mais les gens le font naturellement. Dans les stages, je les vois aller vers les arbres. Effectivement, ils ont envie, ils n'osent pas, mais je dis allez-y. Voilà, il y a une curiosité. Quand on rentre dans la forêt, finalement, quand on analyse ce qu'on fait, quand on rentre dans un espace forestier, on va commencer à ouvrir les yeux un peu plus grands. À ouvrir les narines, à ouvrir les oreilles un peu plus grand, et se dire « Ah, qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce que je vois ?» Et finalement, rien que ça déjà, ça change complètement la perception. Et donc, le retour de la forêt sur les bienfaits de tous les jours, de sa santé, il est évident, immédiatement quand on rentre dans une forêt. Je ne sais pas si vous le ressentez comme ça. Moi, je le ressens comme ça parce que j'y vais tous les jours. Voilà, c'est surtout ça, parce qu'il y en a qui sont tellement déjà quand même dans leur boulot que ce n'est pas évident des fois aussi de se...
se déconnecter et puis de voilà, je veux dire, ah, il y a un petit temps d'adaptation, voilà. C'est quand même un petit temps d'immersion. Voilà. Puis en psychologie, on dit aussi que la forêt, c'est notre intérieur. Donc il y a des gens qui ont peur de la forêt. C'est aussi essayer de dépasser, le dépassement de soi est encore là. Pardon, je connaissais pas cette allégorie. Quand quelqu'un ne se sent pas bien dans une forêt, c'est en général qu'à l'intérieur de soi, il se sent pas bien non plus. Donc ça permet aussi de se dépasser, d'aller en forêt. De ressentir les choses. Et en général, comme tu dis, Alban, ils sont super bien quand ils sortent de la forêt. Ah ouais, mais c'est... Ils ont même envie de dormir, ils sont très détendus. Alors, on parle beaucoup de forêt, voilà, c'est un peu le fil conducteur effectivement de cette émission, mais il y a l'espace naturel en général. Ça marche aussi dans les prairies, mais les vraies prairies pour le coup, voilà. Avec des vraies fleurs, avec de la vraie herbe. Alors c'est vrai qu'on était très attirés avec mon compagnon par les Hautes-Vosges, mais il y a aussi la campagne vosgienne qui est vraiment très sympa aussi. Oui, vous êtes installé, je le répète, à Matincourt, donc à proximité de Mirecourt. Roger Small, vous n'intervenez pas, vous ne faites pas des stages nature dans la plaine, mais pourquoi pas Pas encore, mais pourquoi pas effectivement. Les forêts, les prairies sont aussi magnifiques. Et pour le coup, il y a un peu plus de prairies, forcément. Effectivement, j'ai grandi dans la plaine et je peux vous garantir qu'effectivement, il y a des prairies et il y a des forêts très très, très belles du côté de Mirecourt. Ah, voilà. Ok, oui, tout à fait. Alban Lessard, je reviens, si vous me permettez, par rapport à ces méconnaissances encore, ces découvertes scientifiques qu'on a à faire sur les arbres, sur la sève, sur ces phytocides. Alors, phytocide, le mot cide, normalement, c'est. Oui, c'est un peu. C'est biocide, en fait, c'est des produits c'est des qui tuent les. Aussi, c'est des tanins, c'est des polyphénols, enfin bon, c'est des dérivés, mais on appelle ça des phytoncides. Voilà. Alors, pour une des premières fois, j'entends un mot cide qui nous est favorable. Alors que normalement, c'est ça tue. Des fois, ça peut être aussi le citron, enfin des choses. Enfin, bon. Mais non, c'est vraiment bénéfique. Et voilà. L'avantage, c'est qu'on ne les sent pas, on ne s'en rend pas compte qu'on les respire. Donc après, on va utiliser d'autres sens aussi. Donc on va goûter les bourgeons de sapin, tout simplement. Hein. On peut sentir, ne serait-ce que même les feuilles, on peut ressentir le sol pieds nus. Enfin, il y a plein de... On retrouve le sens. Pardon, bien joué. Ouais. J'avais pas pensé à la marche pieds nus. On aurait pu avoir des invités vosgiens spécialistes en ce domaine. On les a eu il n'y a pas si longtemps sur cette antenne et dans cette émission. C'est le gros avantage, c'est que on peut faire vraiment de façon différente selon comment les gens vont réagir. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi que je fais souvent des groupes réduits, parce que sinon je me fais entre guillemets des nœuds à la tête, parce que selon comment ils vont réagir, il faut que j'adapte aussi par rapport à comment les amener à se détendre un peu plus, si des fois il y a des réactions un peu de méfiance, enfin de résistance. Okay. Et c'est pas toujours... Mais je vous dis, ça marche à tous les coups. J'ai pas eu encore, jusqu'à présent, un échec. J'ai même fait des fois dans des cadres de avec des pompiers, avec des cas de sup, dans des cas de séminaires et tout ça. Et ils étaient les premiers bluffés. Okay. Eh ben, c'est vrai. Affaire à suivre et évolution à suivre, surtout. C'est un peu bassement matérialiste, mais aussi en termes de développement économique et d'activité économique qui mais avec permettra... Avec l'Office du tourisme d'Épinal, on fait ça depuis 3 ans déjà, et on fait le pari, parce que voilà, on l'a à portée de nous, quoi. On sort de la ville et on a cette chance. Donc là, nous, au niveau des Nids des Vosges, pour en revenir à mon activité, mais on est en train de créer un nouveau projet qui n'existe nulle part ailleurs, qui sera un centre de sylvothérapie, un centre de bain de forêt, dans un hébergement complètement nature et complètement insolite qu'on est en train de créer. Voilà. Créer ou rénover ? C'est pas une ferme ? De rénover une maison, une ancienne maison, et d'y ajouter des cabanes au-dessus. D'accord. Et de faire quelque chose d'extraordinaire. Qui valorisera aussi notre département, notre région et notre forêt. C'est d'abord ça, c'est d'abord inciter les gens à venir dans un contexte complètement différent et retrouver la forêt, retrouver ses sens dans la forêt. On viendra vous voir, évidemment, à l'échéance, sortie de terre, fin donc, du projet. Donc normalement pour le 2021, été 2021, ça sera réalisé, ce centre mondial de sylvothérapie. Mondial. Ah oui, il faut y aller carrément. On va envoyer du On a un atout dans les Vosges. Incomparable. On a un atout dans les Vosges. Cette forêt, elle est incomparable. Et vous partagez bien votre passion de la forêt et du tourisme et de la découverte du territoire. Un petit mot tout rapidement, c'est les dernières minutes de cette émission. Au-delà de tout ce qu'on vient de dire,
dans le cadre de stages, dans le cadre de randonnées, etc. Jaël Renard, est-ce que vous sauriez nous dire deux, trois infos, deux, trois conseils, nous partager deux, trois conseils pour se sentir mieux au quotidien? Je vous avais parlé tout à l'heure d'étirement. Je sais que ça, c'est important. On est tous autant qu'on est, on ne le pratique pas assez. Il n'y a pas besoin de faire du sport pour avoir besoin de faire des étirements. Les étirements, c'est bon pour tout le monde. Voilà, c'est ça. Pour les problèmes de dos, pour le stress, pour... pareil, se recentrer, se retrouver, prendre soin de soi tout simplement. Mmh. Et la première chose... Quel type d'étirement? Deux, trois infos de base, des conseils. Alors, le premier étirement, c'est dans son lit le matin avant de se réveiller. Ouais. Ça, c'est vraiment mettre la machine en route. Ne serait-ce que prendre deux, trois respirations, écouter son corps, se dire bah, « Tiens, comment tu te sens aujourd'hui? Est-ce que j'ai des raideurs, des engourdissements? Moralement, comment je me sens ?» Dès qu'on entend le réveil, pas spécialement penser voilà. à tout de suite se lever, mais à prendre le temps, quelques secondes pour soi. Prendre 2-3 minutes pour soi. Okay. Et voilà, et s'écouter, ses émotions. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis en forme ou pas? Est-ce que je suis triste, en colère? Est-ce que je vais abattre du travail? Est-ce que, voilà. Mais vraiment, et sans se juger, c'est vraiment pas « Oh non, qu'est-ce que j'ai encore? Je suis pas bien. » Non, c'est vraiment « Qu'est-ce que je ressens ?» Ok, je vais faire. Plus j'écouterai les infos que me donne mon corps, plus je vais pouvoir y répondre. Quel autre type d'étirement intéressant tout au long de la journée, rapidement? Ben, au bureau, pareil, hein, essayer toujours de se retenir, de se tourner, de respirer, c'est l'essentiel. Hein. On peut rester plusieurs jours sans manger, plusieurs jours sans boire, mais on ne peut pas rester. Pas plus de trois jours sans boire. Voilà, et pas plus de 6 à 8 minutes sans respirer. Donc ça, c'est hyper important. Déjà, c'est fort. Eh oui, c'est les yogis et les grands. voilà. Et les apnéistes aussi. Mais voilà, les étirements, la respiration, c'est tout le temps. Et on le sent quand on est assis toute la journée, quand on porte des choses, on a besoin de se retenir. Un petit rappel qui ne fait pas de mal, puisqu'on l'oublie. Ça fait du bien et il faut y penser, il faut se faire violence, si je peux me permettre cette expression. Merci infiniment pour votre participation tous les quatre à cette émission. Boire aussi, boire de l'eau, c'est très important. Marcher, tout simplement. Au lieu de ruminer, tourner en rond dans la maison. Marcher, voilà. marcher. Ok, les trucs faciles, on garde. Boire, marcher, s'étirer. Voilà. Si on fait déjà ça, après... Restez jeune. Voilà. Merci beaucoup. Bonne continuation à tous les quatre. Merci. Et on se revoit très prochainement sur le terrain. Évidemment, à droite, à gauche, notamment dans notre journal, notre JT tous les jours à 18h du lundi au vendredi. Merci à vous de votre attention. Cette émission est à retrouver, bien sûr, sur notre site internet et à partager via nos réseaux ou notre application. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle émission.